Bah, déjà une grosse sensation de grosse déception tout d'abord, parce que comme on le sait, on voulait prendre les 3 points ce soir. C'était déjà une obligation au vu du classement. Et ensuite c'était aussi pour confirmer la victoire en Coupe de la Ligue cette semaine. Maintenant c'est vrai que quand on refait le film du match, on était rarement décisif ou on les a rarement mis en danger, on va dire. Eux, ils ont joué sur leurs atouts et sur leur peu de ballon offensif, ils ont réussi à marquer. C'est ce qui a fait la différence ce soir aussi. C'est ce qui nous fait un peu défaut en championnat depuis certains matchs. Donc voilà, on va essayer de rentrer ce soir en analysant le match, en repensant et surtout en se remettant vite au travail et fortement au travail, parce que sinon on va passer peut-être des prochains mois galères si on continue comme ça, malheureusement. C'est sûr que là oui, on a de quoi être déçu. On est encore sur 5 défaites de suite, donc là c'est vrai que là on est en grosse difficulté. Il faut qu'on règle énormément de choses pour réagir, parce que là on peut pas rester comme ça. C'est vrai que là on est dans une situation très compliquée, et c'est à nous individuellement de se remettre en question et de se dire les choses pour essayer de sortir de cette situation compliquée. Il nous reste plus de 30 matchs encore avant la fin du championnat, donc faut pas non plus s'affoler. Faut qu'on se dise les choses pour avancer, et après régler tous les détails qui nous coûtent cher en ce moment et qui nous mettent dans cette situation compliquée. C'est à nous de se remettre en question vraiment, se dire les choses aussi et voir ce qui ne va pas aussi entre nous qu'entre nous, parce que le coach il nous donne les billes, les points positifs, négatifs à faire lors du match, mais après c'est nous en tant qu'acteurs à faire ce qu'il faut sur le terrain, à mouiller le maillot, à tout donner. Et je pense qu'aujourd'hui on va falloir vraiment se retrousser les manches pour aller chercher les points qu'on a perdus ces derniers matchs.